Bonjour à tous et à toutes, salut c'est Natek, bienvenue mes pandas dans ce nouvel épisode de Bitripreneur. Donc j'espère que vous allez tous bien, on entame cette semaine avec un peu de retard, oui c'est vrai. Eh oui, moi j'ai du travail hein. Donc là on va aller dans le monde 2 et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, ah oui, on avait fait quand même pas mal. Parce que bleu, c'est-à-dire qu'on a passé une d'arrivée. Ah oui, d'accord, mais je ne me rappelais pas qu'on était allé aussi loin. Aujourd'hui on va essayer d'être aussi performant que la dernière fois. Bon là faut savoir que c'est le soir. Donc c'est un peu plus dur que pour moi. Bon, on s'en fout de ma vie. Alors. Comment qu'on... Oh petit, ça commence. Oh non. Il y a encore ces trucs de merde. Ah oui, c'est le truc là. Oh oui, le checkpoints. Ah, on est bien là. J'ai les yeux qui flanchent, mais je vais pas vous le cacher. Ok, on est bon. Il passe au-dessus. On tente pas le diable, hein, moi je vous le dis. Oui, dit. On en a que 29 sur 34, mais on a tracé ce niveau en 1 minute 46 de vidéo. Ah, on était assez bon là. Cool. Space to continue. Donc en tout cas, j'espère que les épisodes de cette série vous plaisent. S'ils vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à laisser un petit j'aime. Ça me fera extrêmement plaisir. Faut le savoir que moi, à chaque fois, j'en prends compte. Je lis tous les commentaires. Bon, comme il n'y en a pas beaucoup, bah... Hein ? Ça, il y a des kicks. Oh non! Oh non! Oh non, mais non! C'était pas déjà assez compliqué comme ça? Ah voilà, fallait jump. Ah, ça va être bon ça. Allez, c'est parti, on danse. Allez, parti, on dance. On dance floor. Oh. En plus, j'essaie de choper le truc. Oh putain. Ça me fait peur. Parce que je vous rappelle qu'il y a un moment où c'est pas une action, on peut rester appuyé dessus. Oh, oh, j'ai failli rentrer dans le... Oh non, il m'en manque un, voilà, manque un lingot. Ah. Comment on peut avoir la perfection avec des gens qui laissent traîner des lingots comme ça? Allez, c'est bon. On va essayer de les avoir. Ça fait de la jolie musique. Wouhou! 34 sur 34. Bueno. On est bueno sur ce niveau. Vraiment. Ah, et j'y arriverai. Et expliquez-moi, s'il vous plaît, en commentaire comment on fait. Parce que c'est impossible de se viser ce putain de milieu. Il doit y avoir un angle juste parfait de 45 degrés qu'on peut atteindre. Mais faut être chaud, quoi. Et je sais pas si c'est au moment où le canon se lève ou le canon redescend qu'on peut vraiment shooter pleinement. Alors là, c'est dire que... Ouf. En plus, on voit le leaderboard à chaque fois, donc... C'est très rassurant. Ça va encore comme touche. Franchement, cette touche, ça va. Oui. On va buter du connard. Non, je déconne.
Par contre, je démontrais bien quelques pièces. Et voilà le checkpoint. On est bon aujourd'hui. Ah, hein ? J'ai pas tout compris. Le jeu est sublime, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ces commentaires comme ça. Et j'ai pas de sujet ultra méga intéressant, à part que je vais bientôt passer le bac, donc du coup, il me reste plus qu'un mois pour réviser, et du coup ça va être extrêmement chaud de vous faire beaucoup de vidéos. Mais j'essaierai de vous sortir le maximum de vidéos solo, et on attendra que le bac passe pour repartir sur les vidéos multi. Puisque je n'ai plus le temps. Oh merde, je suis passé par le passage difficile. Ah, quel con. Ah. J'aurais pas dû. Oubidi, W. Allez, on passe par le passage facile, on a dit. C'est pour ça que j'ai failli rater. Et quand on passe par le passage facile, il y a quand même beaucoup plus de facilité. 31 sur 32 briques, je ne sais pas où était la dernière. J'ai dû la rater, bon, c'est pas très grave. En fait, on n'a pas besoin de trop de refaire les niveaux tant que c'est pas pour, par exemple, passer dans un passage secret ou pour gagner tous les lingots. Sinon, en fait, on peut y aller vraiment directement, quoi. Hop, on passe à la suite. Parce qu'il faut savoir qu'on est au 8e épisode et on n'a pas encore tellement avancé. Keep running. Y a pas de touche. Ah merde. D'accord. Et Hold W, ça doit être pour la descente. Je sais pas, je... C'est quoi ces rampes de merde? D'accord, donc là, S. Ok, et W, c'est pour remonter dessus. Eh merde. Ah putain, mais... Il y a juste deux boutons à toucher, franchement. Il y a deux boutons et j'arrive à me planter en appuyant sur D. C'est-à-dire qu'il est sorti, il a sorti le bouclier, il est tombé. Allez, bon. Ok, là, de ce point de vue, c'est plus simple d'avoir le bouton là, du coup. Ouais. Et merde! Merde! En fait, vous avez pas vu, j'ai appuyé sur S. Ah, ça me stresse, en fait. Parce que là encore, j'arrivais à avoir toutes les touches. Donc du coup, ça allait. J'ai même pas réussi à le choper. Nullité, tu m'en pars. Ah, c'est bien, c'est pas que des choses faciles, c'est sympa. Mais le gameplay de ce jeu est déjà très intéressant en lui-même. Et merde. Oh, on est passé alors là, franchement, par le passage difficile, mais sans savoir à quoi on allait s'attendre. Et on s'en est sorti, bon, on n'a pas tout. Franchement, c'est pas très grave, puisqu'on est à 45 sur 48, c'est vraiment très important déjà. Et on n'a pas le coffre, parce qu'en fait, il y avait un passage difficile dans le passage difficile. Attention, hein. Un passage difficile dans le passage difficile. Attention les amis. Vous êtes des pandas, c'est tout. Moi aussi, je suis un petit panda. Oh putain. J'ai failli me gourer de touche.
qu'en fait, il faut savoir que quand il atterrit sur une barre, c'est au-dessus. Moi, je pensais qu'il arrivait en dessous. J'ai sauté. Ah oui, non, mais il fallait que je me relève. Quel con. Je suis un petit que. Ok. Et merde, j'ai sauté. Là, je désolé, j'oublie en fait que c'est... En fait, c'est quoi W? En temps normal, c'est le saut bizarre. Ok. Ok. On va essayer de s'en sortir. C'est bon, on est bon là. Ah merde, c'est Space. Ah Space, ça rapporte que des points, sinon ça le fait automatiquement. Oh bah c'est pas très important. Attendez, je vais me laisser shooter puisque j'ai oublié un petit lingot. Oui, je suis comme ça. Hop, voilà. Hop, 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 hop. Et... Là, ça semble fini. J'entends la fin. Hein? J'ai pas compris. Ah merde, j'ai pas vu le W. Ah, vraiment désolé. Excusez-moi les gens, c'est de ma faute. Hop, bon c'est pas grave hein. Il y a juste tout ça à refaire quoi. C'est pas très grave. Franchement ça pourrait être bien pire. Avec moi surtout. Et voilà. 44 sur 44, c'est parfait. Pour finir ce nouvel épisode, on va essayer de... Bah, toujours la cible. Ah, elle est plus loin, là. Ah, bande de cheaters. Et bien sûr, je l'envoie encore plus loin. Donc voilà, on se retrouve avec 44 sur 44, 0, 4 sur 4 aussi. Bah, ce niveau est parfaitement réussi. On a un peu tout très bien géré. Donc là, on peut voir qu'on est bientôt, je pense... Oh, il y a un niveau là, débloqué. Là, on voit le petit oiseau, donc je suppose qu'on doit être bientôt à la fin du monde, je pense. On a 493 lingots d'or sur 800, c'est pas mal. En tout cas, si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un j'aime, un commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce Let's Play. Ciao, bye bye, les pandas, c'était Natech.